On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Quick Snap. Voilà, vous allez vous demander ce que c'est. Enfin, celles qui font de la broderie savent peut-être déjà de quoi je vais parler. C'est comme un tambour à broder, voilà, mais qui est démontable en plusieurs parties. Qui ne va pas abîmer votre toile de broderie. La Fifi qui passe. Bonjour. Il dit bonjour. Il y a maman. Il dit bonjour. Hop, voilà. Bonjour. Bonjour. Non. voilà, vous avez, parce que vous avez les tambours en bois. Vous avez les métiers à broder fixes. Et donc là, je vais vous montrer ceci. Voilà. Donc j'en avais commandé un il n'y a pas longtemps, mais j'avais pris beaucoup trop grand. Donc je l'avais renvoyé. Et là, j'en ai recommandé un plus petit. Et donc, j'ai reçu hier, non, aujourd'hui. Et donc, je vais vous le montrer. Donc, déjà, je vais vous montrer comment ça se compose. Alors, c'est en quatre parties. Voilà. Donc, vous avez quatre parties comme ça. Deux comme ceci. Voilà. Comme des tuyaux. Deux comme ça. Voilà. Et sur chaque partie, vous avez, quand c'est neuf, c'est un peu dur. Hein. Vous avez des, voilà, voyez, comme des pinces. Enfin, ça, moi, j'appelle ça des pinces. Voilà, c'est des choses qui vont venir s'emboîter là sur les tuyaux et qui va coincer votre travail, votre ouvrage. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment ça se monte. Je vais enlever. Quand c'est tout neuf, c'est un tout petit peu dur hein, au début, mais c'est pas grave. J'ai plus de force. Allez. Voilà. Hop. Oui, je peux enlever comme ça. Je vais remettre. Faire pareil ici, voilà, et voilà. Ah, je m'accroche dans mon pull. Donc voilà, comme ça j'ai les quatre parties. Je vais vous baisser, vous verrez mieux. Donc je vais prendre mon ouvrage que je suis en train de faire, celui-là. Vous vous rappelez. Donc voilà ce que où j'en suis pour l'instant. Je vous ferai une vidéo hein, de façon comme j'avais dit. Et je vous change de visu. Là, on va monter d'abord le cadre. Donc celui-là, c'est un 27 sur 27, 27,5, je crois. Donc voilà. Voilà, donc on a notre carré. Donc il en existe des plus grands, comme je vous avais dit. Celui que j'avais eu, c'était un 42, je crois. C'était beaucoup trop grand. En tout cas pour moi.
Et donc voilà comment on va faire. Je prends mes pinces, j'appelle ça des pinces aussi. Je vais vous montrer sur l'envers, vous verrez mieux. Vous voyez, et on va le fixer comme ça. Et comme ça. Là, je vais remettre mon aiguille ailleurs parce que sinon, ça va bloquer. Voilà. Donc, on va faire comme ça et on va relever donc les morceaux, les endroits ici. J'essaie que vous voyez, voilà. Comme ça. Donc, le premier qu'on va relever, ça va être celui-là. Donc, je vais lui mettre une pince. Voilà. Maintenant, je mets une pince à l'autre bout. Pour que ce soit bien tendu. Voilà. Maintenant, on va faire ici. Et le dernier, va aller de l'autre côté. Donc pareil, on va bien tendre. Mon ouvrage est prêt. Il est bien tendu. Vous voyez? Et maintenant, je peux travailler dessus. Bon, là, je ne peux pas travailler dessus tout de suite en vous filmant parce que j'ai besoin d'installer ma loupe. Parce que là, moi, je ne vois rien. Et donc, derrière, voilà. Vous voyez? Voilà ce que ça vous fait. Et du coup, ça ne vous abîme pas la toile. Hein. Pas du tout. La toile n'est pas du tout abîmée. Donc voilà. Voilà ce que c'est le Q-Snap. Donc vous en avez de plusieurs tailles. J'en ai un déjà plus petit. Il est juste là, je vais vous le montrer. Voilà. Donc celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Celui-là, je l'avais eu à la maison du canevas, je crois, je ne sais plus. Vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Hein. Il fait 15 cm. Donc là, pour faire les petits motifs. Et celui-là fait donc 27,5 sur 27,5. Donc celui-là va être très bien pour me faire
pour travailler pour se travailler sur cet ouvrage. Voilà, donc je vous montrerai comment je travaille avec ça. Et en même temps, je vous montrerai du coup pour faire cette partie-là, comme vous me le demandiez la dernière fois sur ma vidéo. Voilà. Alors là, vous voyez des fils ici. C'est normal, hein, c'est mes arrêts, puisque je ne fais pas de nœuds. Je vais vous montrer l'arrière de ma broderie. Vous voyez, il n'y a pas de nœud. Voilà. Il n'y a aucun nœud. Je démarre toujours mon travail sur le devant. Et vous voyez peut-être à travers, on voit les couleurs de la toile. Mais ce n'est pas un problème. Parce que quand vous allez avoir fini cette toile-là, une toile imprimée, à la fin, vous allez la mettre à tremper dans l'eau froide entre une demi-heure et une heure. Et tout ce qui est imprimé va s'effacer. Voilà, sans abîmer les cotons. Donc tout ça, ça va s'effacer. La toile va redevenir blanche. Et donc on ne verra plus tout ce qui est, vous voyez comme là, tout ce qui est en dessous des fils. Mais bon, tout ça, vous aurez l'occasion de le revoir au fur et à mesure que je ferai la toile. Donc voilà, je voulais vous montrer donc le QuiSnap. Donc celui-là, je l'ai eu sur AliExpress. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, je l'ai reçu très très vite, hein, en moins de 15 jours. Je vais vous mettre le lien. Je l'ai payé dans les 8 euros. Donc, par rapport aux boutiques en France, c'est beaucoup moins cher, bien sûr. Et c'est exactement la même qualité, puisque c'est exactement les mêmes papiers. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter aujourd'hui donc ce petit objet utile donc pour la broderie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.